contre les hérétiques et les horreurs de ton espèce. Je suis le messager de Dieu. Et c'est par ma lame purificatrice que ton âme pourrie rejoindra tes dieux immondes et impies. Souffre, souffre, mutant répugnant, à la gloire infinie de l'Empire. Et pour mon plus grand plaisir. Alors ça y est. C'est toi, mon vieil ami. Toi qui m'as tout appris. Toi qui m'as recueilli. On m'envoie à moi. Moi qui t'ai adoré. Notre dieu protecteur me teste. Mon ami. J'arrive. Le fléau corrompt aussi bien le corps que l'esprit. Il frappe n'importe où, n'importe quand. Lorsque le corps est touché par les mutations du fléau, l'esprit est perverti. Lorsque l'esprit est perverti, le corps est corrompu. Il n'y a pas d'échappatoire. Le fléau et les dieux qui l'ont propagé ne laissent aucune voie, à part celle de la damnation éternelle. Certains tentent de vivre leur vie tant bien que mal, dissimulant leur mutation qui les mènera à la folie. D'autres s'enfuient et vont grossir les rangs des armées démoniaques dans l'espoir de s'attirer la faveur des mauvais dieux. Enfin d'autres, les plus pervers et les plus dangereux, se cachent au sein de la société, vénérant en secret les dieux du mal, complotant à la chute de l'équilibre du monde. Ils ne cherchent qu'à nourrir leur satisfaction personnelle. Notre histoire parle d'une grande amitié déchirée, d'un honneur perdu et d'un devoir impossible. Un inquisiteur, chargé d'éradiquer toute forme de corruption, et un prêtre corrompu par son désir de retrouver sa vie passée. Tous deux savent qu'ils n'ont pas le choix. Le fléau corrompt aussi bien le corps que l'esprit. Comment se fait-il que le chef de ce temple n'assiste pas à la cérémonie sacrée de notre divin protecteur ? Je m'apprêtais à y aller. Et vous, mon cher inquisiteur, pourquoi n'y êtes-vous pas ? Vous a permis d'entrer ici et de m'insulter de la sorte. Je vérifie que tout se passe bien. Et que les fidèles et leurs guides ne s'éloignent pas du droit chemin. Edwina ! Oui ? Votre santé. Vous avez entendu notre frère ? Il y a une cérémonie en ce moment. Courez-y. À moins que vous ne vouliez pas y aller. Et que vous ayez quelque chose à vous reprocher. Sœur initiée. Filez ! Et dis à frère Paterne que je serai en retard.
Volkang. Yurkai, ça t'amuse de faire peur à mes apprentis? Ça forgera son caractère. Je me dois de rappeler à tous qu'un chien veille à ce qu'il ne vacille pas vers les bras tentateurs du fléau, votre sainteté. On ne te considère plus comme un chien qui aboie, mais comme un loup qui mord là où ça fait mal. Bien. Puis-je me permettre de vous arracher à votre sainte activité en mangeant un morceau seul à seul avec vous? Oh, cherches-tu à égarer le berger du droit chemin, jeune loup? À moins que cela... Non, allez, cesse ces manières volgantes. La question ne se pose pas. Nous mangerons un morceau ensemble après la cérémonie. Je te rejoins un peu plus tard. Une affaire importante à régler. J'ai fait le tour du village. Les habitants vous aiment beaucoup. Oui. Et j'en apprécie pour les quelques services et conseils que je leur ai apportés. Un village perdu qui ne cesse de se développer. Des habitants qui reprennent espoir. Et enfin... certains prêcheurs qui parlent d'une statue en votre nom.
Ce n'est sûrement le résultat que de petits conseils. Une statue. Je ne fais que mon devoir. Et toi? À part pour prendre une correction aux échecs, quel bon vent t'amène? J'ai besoin de vous. L'ordre m'envoie pour une mission délicate. Je ne sais pas si j'aurai la force de la mener à bien. Qu'est-ce qui peut te faire tant douter de tes convictions? Je traque un dangereux hérétique. Il se spécialise dans la collection d'objets et de livres sacrificiels interdits. Je le soupçonne d'être déjà passé à l'acte. Un collectionneur d'artefacts de magie noire qui veut jouer les apprentis sorciers. Tu as connu pire, non? Il est l'un des membres de notre église. Il a probablement contaminé certains fidèles. Échec. Un membre de notre famille? Ah! Votre genou. Laissez-moi voir. Non! Non! J'en peux plus, Wolfgang. C'est cette blessure. Cette blessure. Les champs de bataille. La clameur des combats. La confiance et l'admiration des soldats. J'étais la lumière d'espoir pour tous nos frères qui, depuis des mois, depuis des années, vivaient des campagnes de guerres interminables. Des horreurs. J'avais un rôle vital au sein de notre église. Quelqu'un de respecté, Wolfgang. En perdant l'usage de ma jambe, j'ai perdu... Vous n'aviez plus aucune raison de vivre! Alors vous vous êtes terré dans ce petit village, loin de toute pitié qui vous faisait vous sentir encore plus inutile! Laisse-moi t'expliquer, Wolfgang. Expliquez-moi! Que tu n'es pas supporté de ne plus regagner l'usage de ta jambe? Que malgré les prières et les potions, rien n'est marché? Que tu te morfondes tel un dépressif inutile, rongé par l'espoir de retrouver sa vie passée? Que t'arrive-t-il, Wolfgang? Jamais tu ne m'as parlé sur ce ton! Viens m'expliquer ceci! Que tu aies vendu ton âme au démon du fléau. Que tu aies trahi la confiance de ceux qui ont eu foi en toi. Qu'as-tu fait d'Edwina? Où est mon initié? Il n'avait rien à voir, Wolfgang. Wolfgang. Tu m'as sauvé la vie. Je te laisse le choix. Tu brûles en place publique. Ta trahison révélée au grand jour. Tu gardes ton honneur. Je veillerai personnellement à ce que tu aies des funérailles dignes de ce nom. Fais-le. En souvenir de notre amitié. Tu ne fais jamais de compromis. Quoi ? Dis-moi.
bien. Ne me tente pas à t'amener maintenant sur le bûcher. Oh non. Toi et moi, nous savons bien que tu en es incapable. Quelle déception. Non, ne fais pas ça. Oh. Non. C'est toi qui vas le faire. Regarde la vérité en face. Tout n'est que mensonge. Tous les crimes que tu as perpétrés pour tes idéaux. Il n'est pas de Dieu bon et protecteur. Tu perds la tête, vieux fou. Ah oui. Eh bien, je vais te laisser une marque que tu ne pourras ignorer. Tu seras rongé comme moi toute ta vie. Maintenant, mon fils, apprends. Voilà ma dernière leçon. Ma faiblesse m'a coûté cher. Je ne pouvais pas te tuer, tu le savais. Pourquoi m'avoir forcé ? Quel est ton but ? Ma souffrance. Je comprends ce que tu ressentais. La fatalité. Mais contrairement à toi, je ne me laisserai pas mourir comme ça. Mon chemin sera donc celui de la damnation. Fléau ou pas, j'emporterai avec moi toute forme de pourriture, sans exception. Plus de code. Plus de bien ni de mal. Mon nom est Wolfgang, et je serai maintenant le fléau de tous.